What's up? Comment allez-vous? Moi, je vais super bien, vous le savez déjà. Mais c'est normal parce que je reviens de vacances. J'étais au Japon pendant une semaine et vraiment génial. C'est un pays magnifique. Je vous ai fait un vlog qui doit venir ou qui sera déjà passé. Je n'en sais absolument rien. Il y a tellement de vidéos en préparation. Donc voilà, il y a un vlog qui arrive sur mes vacances au Japon. Mais là, je vais vous parler de tout ce que j'ai acheté là-bas. Enfin, je n'ai pas acheté tant de choses que ça, mais voilà. On fait un haul spécial Japon. Alors, au Japon, j'ai pas acheté de make-up. Parce qu'évidemment c'est un peu compliqué pour trouver ma teinte. J'ai juste acheté ce petit truc. Donc c'est un blush et un highlighter de la marque Revlon. Alors ouais, on a la marque en Europe, mais j'ai trouvé le principe super cool. Donc voilà, vous avez l'highlighter de ce côté et de l'autre côté le blush, et c'était pas très cher, je crois que j'ai payé ça 8 euros. Donc voilà, je sais pas s'il est déjà arrivé en Europe, mais je me suis dit que ça pourrait être un truc sympa à tester. Niveau make-up, j'ai acheté aussi de la marque Shiseido les nouveaux rouges à lèvres gel. Alors je l'ai pas encore testé, je vous avouerai. Il y a, alors j'aime beaucoup, beaucoup la marque Shiseido, j'ai déjà testé énormément de choses, vous voyez il est tout neuf. J'ai déjà testé beaucoup de produits, notamment de soins chez eux. Les cosmétiques, c'est la première fois et je vais voir ce que ça donne. Je vais le faire en live. Alors ça se présente comme ça. Voilà. J'aime bien les packaging sobres comme ça. Et un stick. Voilà, le rouge est juste magnifique. Ah ouais, il est super crémeux. Il est très crémeux. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un gel. Donc je vais voir ce que ça donne sur les lèvres. Et bien sûr, je vous dirai comment je l'ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah oui, la marque DHC, je ne sais pas si vous la connaissez, on le trouve en France et en Europe. J'ai acheté ça. Alors, c'est un produit pour faire pousser les cils. Ce qui est un peu compliqué au Japon, c'est que sur beaucoup, beaucoup de produits, pratiquement la majorité des produits, rien n'est écrit en anglais. Tout est écrit en japonais. Si je vous montre... voilà, vous voyez, tout est écrit en japonais là également. Donc, faut soit on devine ce que c'est. Il y a des produits comme ça, je me suis dit, vas-y, test, soyons fous. Mais bon, eyelash tonic, j'ai deviné. Eyelash tonic, j'ai du mal avec ce mot. Voilà, j'ai deviné que c'était pour faire pousser les cils. Je vais le tester, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est une marque que je connaissais notamment grâce à cette huile pour démaquiller qui est excellente. Dans l'hôtel où on était, on avait cette huile-là pour se démaquiller. Bon, j'avais cette huile-là parce que évidemment Benoît ne se démaquille pas. Mais j'avais cette huile pour me démaquiller. Elle est excellente. Celle que j'avais testée à Paris, c'était pas celle-là. Mais par contre, la différence de prix est énorme. À Paris, l'huile que j'avais testée, je l'avais payé 30 euros à peu près, un petit peu plus même. Là, j'ai payé ça 14 euros. Voilà, la différence est quand même énorme. Donc, ça, très bonne affaire. J'ai acheté toujours de DHC pour mes cernes. Voilà, là aussi, tout est écrit en japonais. Mais bon, on devine que c'est pour les cernes. Team Panda, vous savez déjà, j'espère que ce sera efficace. J'en ai acheté un autre. Alors par exemple, là, bon, on devine sur la photo, mais il n'y a absolument rien écrit en anglais, quoi. C'est... voilà. Mais encore pour les cernes, et on va voir ce que ça donne. J'ai acheté également un peeling qui
qui était... Franchement, les produits que j'ai achetés, le plus cher, je crois que c'est l'huile DHC à 14€. Sinon, tout est à moins de 10€. J'ai acheté ça aussi, charbon, c'est un peeling. On va tester, évidemment, derrière, tout est écrit en japonais. Mais on va voir. C'est au charbon, poudre de charbon. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté également du collagène. Alors, sous forme d'ampoule. Alors là, il y avait écrit collagène, vous l'avez deviné, hein ? Ben, j'ai traduit, c'est tout. Le collagène, pour ceux qui ne savent pas, alors c'est une protéine qui est présente dans la peau et qui va permettre l'élasticité, la régénération des tissus. C'est quelque chose que l'on perd avec le temps, forcément, et c'est une façon, comme une autre, d'apporter une nouvelle dose de collagène à la peau. On va voir si ça fonctionne. Je vous dirai ça aussi. Alors, j'ai acheté ça. C'est un lip gel magique. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je crois que c'est un sans transfert, il me semble. Je crois, je ne sais pas. De la marque Kose. Kose, c'est une marque japonaise. Mais je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. C'est un gadget, on est d'accord. Ça coûtait, je crois, 2€. Je me suis dit, why not? Voilà. J'ai acheté aussi un masque. Alors, les masques en tissu, là-bas, il y en a énormément. Le problème, c'est que, comme tout est écrit en japonais, pour trouver ce qui correspond à sa peau, c'est assez compliqué. Moi, j'ai une peau mixte. J'avais pas envie d'acheter un truc en peau sèche ou voilà. Donc j'ai juste là, c'était écrit que c'était pour l'éclat de la peau. Donc celui-là était inscrit. Donc je vais le tester, je vais voir. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué là-bas. Tout est vraiment écrit en japonais. C'est pas évident, mais bon, on fait avec. J'ai acheté évidemment du thé matcha. Alors là-bas, le thé matcha, c'est un thé qui est beaucoup plus puissant qu'un thé normal, c'est un thé vert, qui est cultivé, produit au Japon, en Europe, en tout cas en France, ça coûte une blinde. Vous allez dans n'importe quel magasin bio, mais ça coûte une fortune. Ça, alors là, je l'ai acheté avec un mélange de thé vert, histoire de bien éliminer, parce que je vais faire une petite détox. Donc je me dis que ça peut être sympa et je l'ai payé 5 euros pour 20 sachets. C'est un mélange de thé matcha et de thé vert. J'ai pris un verre, une tasse quand je suis arrivée. Ouais, c'est très efficace. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est très très efficace. Donc ouais, si vous avez la possibilité d'aller là-bas ou de vous faire livrer du thé de là-bas, franchement n'hésitez pas parce que la différence de prix est énorme. J'ai acheté toujours en thé matcha, là, de Starbucks. Et là, j'ai vraiment acheté la poudre. J'avais bien aimé là-bas, donc là, en poudre. Et j'ai aussi acheté des petites dosettes de chai tea latte. J'adore le chai tea latte. Avec du lait de soja, c'est une tuerie. Donc voilà, ça, chai tea latte, très très bon. Et en plus, en dosettes comme ça, et donc super facile à utiliser. Ça, c'est un petit peu plus cher parce que c'était chez Starbucks, donc on paye aussi la marque. J'ai acheté des vêtements. Je suis passée chez Uniqlo. Vous avez le plus grand magasin Uniqlo au monde, sur 12 étages. Il est immense, il est vraiment bien. Vous avez des articles pas chers et de très très bonne qualité si jamais vous ne connaissez pas cette marque. Des produits aussi pour l'hiver que j'adore, les matières sont innovatrices. J'ai acheté notamment ça. C'est une doudoune, mais hyper légère et par contre qui tient tellement chaud. Je l'ai déjà testé. Alors voilà, c'est ce genre, voilà, elle est super froissée, bravo. Et elle est comme ça, manche courte, parce que je me suis dit pour l'automne ça pourrait être sympa. Elle est comme ça. À l'arrière, comme ça, voilà, ça tient tellement chaud et pourtant c'est vraiment super fin, hein. C'est très très fin, mais ça c'est une tuerie, vraiment très très bon investissement, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ça. J'ai aussi acheté là-bas, alors ça c'est une robe pull,
comme ça. Voilà, comme ça, ça ressemble à rien, hein. Ou alors qui arrive sous les genoux avec deux poches sur le côté. Le col montant comme ça. J'ai à la portée, elle est super stylée, mais c'est vrai que là on ne voit pas. Mais ça tient très très chaud aussi. Donc pour l'hiver ou pour l'automne, ça va être très bien. J'ai aussi acheté la jupe que je porte. Ah, je sais pas si vous allez voir. Hop, alors c'est une jupe. Je vais reculer un petit peu. Je sais pas si on la voit trop. C'est une jupe qui m'arrive sous les genoux. Attends, je vais m'asseoir quand même pour vous parler. C'est une jupe qui m'arrive sous les genoux avec des poches sur les côtés. J'adore les poches dans les jupes, sur les jupes. Et pareil, la matière très très chaude et pas chère du tout. Je me rappelle plus des prix, j'ai pas pensé à prendre les prix, mais vraiment pas cher. Je suis passée chez Nike. Il y avait de très très belles choses chez Nike. De très très belles choses. Et j'ai... chez Uniqlo, avant de parler de Nike, j'ai acheté un basique de chez Uniqlo. Ça, ça fait partie des basiques. C'est un top avec une coque au niveau de la poitrine. Et voilà, à mettre comme ça ou à mettre sous un vêtement. C'est toujours pratique d'avoir un truc comme ça. Et j'ai également acheté pour... terminé. Ouais, c'est un petit haul, je vous avais dit, j'ai pas acheté grand chose. J'ai été sage, j'ai surtout mangé. Je suis passée chez Nike et j'ai acheté ce kimono qui est juste topissime. Voilà, un petit kimono comme ça. J'espère que vous allez voir un petit peu. Je vous ferai de toute façon des photos sur Insta. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est un kimono comme ça, avec des poches sur le côté également. Et je sais pas si ce genre de vêtements on va les retrouver en Europe. Là, j'ai vraiment l'impression que ce kimono, il l'avait parce que c'est le Japon justement. Et je me suis dit, dans le doute, vas-y, prends-le. Je l'ai payé 60 ou 80 euros quand même, ça reste Nike. Mais je suis vraiment très contente de cet achat. Donc voilà, mon haul du Japon est terminé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas acheté grand chose, mais j'espère que ça vous a peut-être donné des idées si jamais vous partez là-bas. Il y a énormément de choses à faire, énormément. Au niveau shopping, vous pouvez trouver votre bonheur, que ce soit au niveau des vêtements, des chaussures. La mode est particulière, je vous ai d'ailleurs écrit un article sur Créola à ce sujet, la mode à Tokyo, n'hésitez pas à les regarder. Mais franchement, vous pouvez trouver des trucs très 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 sympas. Donc, pour moi, c'est terminé. Et je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore de me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite.